aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être la dernière vidéo de une journée avec nous parce qu'il y en a eu 3. On est avec Pénélope encore une fois. Donc je me rappelle plus du tout ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo parce que ça remonte à il y a moins d'une semaine, voilà. Et donc aujourd'hui on va repréparer un deuxième concours. Donc demain on est à Saint-Lô. Donc elle a fait avec Sanguinaire en club 3, club 2. Et moi je suis avec Rosario en P3, P2 parce que j'aurais pu faire P2, P1 sauf que c'était en manège cette fois-ci et j'avais pas envie de l'impressionner avec des gros sauteurs, tout ça en manège. Donc aujourd'hui on va préparer les concours comme je l'ai dit. On a un petit programme à respecter. Enfin pas vraiment à respecter en fait. On a des choses à faire mais on sait pas quand est-ce qu'on va les faire. Il faut qu'on prépare toutes les affaires, qu'on mette les chevaux au box, qu'on monte Sanguinaire et Rosario. On va faire un petit stretching en mode tête en bas, qu'ils engagent, tout ça, enfin bref. Enfin bref, on a plein de choses à faire. Et voilà. Donc c'est parti, bonne préparation. Donc là, il est 11h quelque chose, 11h15. Attends, du coup moi je vais me taper là, vous. Non, mais... Bah c'est bon, t'as des bêtes plus grandes que moi. Donc là, on va chercher Sanguinaire et Rosario, parce que ouais. Comme on a prévu de les monter et que on sait jamais s'ils peuvent être mouillés, on va les mettre au box. J'ai failli tomber. Le temps qui sèche. Je n'ai jamais vu un cheval aussi dégueu de toute ma vie. Regardez. C'est pas possible d'être aussi sale, en plus il pue. Donc là, comme vous avez pu le voir, l'état de Rosario, c'est pas possible. Alors on a trouvé une solution, on va le doucher à l'eau chaude. Enfin bref, voilà, donc on va lui doucher les membres et l'encolure à l'eau chaude. On va lui laisser sa couverture imperméable, comme ça il aura pas d'eau sur le corps. Et ensuite on le séchera du mieux qu'on pourra. Et on attendra qu'il sèche, et comme ça cet après-midi, et bah, on va les monter. Là on a terminé nettoyer Rosario, enfin en fait on l'a douché les membres et l'encolure à l'eau chaude. Voilà, ensuite on l'a remis au box le temps qu'il sèche. Ensuite cet après-midi on va faire beaucoup de choses, on va les monter, j'espère qu'il sera sec. Sinon je pourrais pas le monter hein. Et j'espère que je vais pouvoir le nettoyer quand il sera sec. C'est Halloween aujourd'hui, joyeux Halloween. Bon du coup on a terminé les petites affiches, on a fini de manger aussi. Donc voilà. Et on va aller coller les affiches sur le vent. J'ai oublié le scotch. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon Rosario il est un tout petit peu mouillé. Un tout petit peu. Non mais en fait c'est que l'encolure qui est mouillée. Donc je vais le monter quand même. Donc on a terminé de les monter. On a à peine, on n'a pas galopé, on a à peine trotté. Et j'ai réussi à le sécher avec un sèche-cheveux. Donc voilà. Maintenant il est tout tout doux. On a dressé leurs petits sabots. Voilà. Donc là, on a terminé de tout préparer, on a tout mis dans la voiture. Demain, on vous filmera 2-3 trucs, j'essaierai de vous filmer un max, mais voilà. Dans tous les cas, je vous mettrai les parcours de Sangui et mes parcours. Mais moi, je vous dis au revoir et à demain. Salut! But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire. Oh, it's your desire. Swear I'm not a liar. You should dance with me. You should get to know me. I don't usually go out this late at night.
On est bientôt 10 000 sur la chaîne. Je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est énorme. Merci beaucoup. Je prépare une grosse vidéo pour l'occasion. Alors n'hésitez pas à passer sur mon Instagram où vous aurez plus d'infos et vous pourrez peut-être passer dans la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, la vidéo arrivera plus vite. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous à vous, à votre abonné. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!